usirari yesuwa sijami anakabi ya mnenduwanti jau hapitu vikuwa mnivuru nga nsiti nyamuru nakuna kani hiatu nga ngadran furiavu nivulumbuti nye nsafula kani yela nsana jautran nanau laka mbata ngusi nanau fetu vsaku shati nveru nshija shati vita kuna dre mami. Le kabat est un art, un savoir-faire. Il ne suffit pas de savoir aligner les mots et jouer sur les rimes pour être un bon picabar. Il faut comprendre le sens des mots, savoir choisir ceux qui vont toucher son auditoire, savoir leur faire porter les valeurs d'une culture, leur faire exprimer les pensées qui accompagnent les faits matériels et les événements. Le kabar est un art oratoire pratiqué dans les quatre coins de la grande île. Il accompagne chaque événement important de la vie d'une personne ou d'une communauté. Son inscription sur la liste représentative du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO devrait contribuer à sa préservation et à la préservation de son authenticité. Vakoka wan malagasy izy io ka izy io vakio raha tsy arovantsika ho antsika dia ho lasan'ny hafa eo amin'ny arinany dia izay ny tena tombony ho anay mpisehatrany kabary etya fotiny ary mba mirehare izahay tsy atsika irery intsony zany fa ny manerana an'izao tontolo izao a mahafantatra azy ary manaja azy ary manana an'izay ataontsika hoe adidy miaro azy amin'ny vakoka maneran-tany an'izay. Après le savoir-faire Zafmanir, le kabar malagasy est le deuxième bien immatériel de Madagascar inscrit sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Dans les prochaines années, les autorités envisagent d'y inscrire aussi le hiragasy, un autre savoir-faire, un art bien spécifique à Madagascar et à sa culture. Hey,